Et salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis invité par la FFC pour aller voir les championnats de France. C'est parti. On est actuellement dans le paddock, donc c'est l'endroit où tous les coureurs peuvent s'échauffer. Allez, il est pas loin là. Allez Maël, on met tout, c'est le dernier kilomètre. Allez, c'est l'arrivée. 3, 2, 1, c'est parti. Et là je suis terriblement bien placé. Cette année, les championnats de France sont à moins d'une heure de chez moi, je pouvais pas louper ça. Si t'aimes ce format un petit peu en inside, je t'invite tout de suite à liker la vidéo pour aider la chaîne YouTube. On arrive à Cholet, c'est bon. Maintenant, il va falloir trouver où on peut se garer parce que forcément, il y a beaucoup de monde ici. C'est là. J'espère qu'elle est bien. On va être bien pour cette nuit. En tout cas, ça fait le taf pour dormir parce que je vous rappelle quand même que demain, je participe à la tricolore. Donc il va falloir quand même bien dormir parce qu'il y a 130 bornes à faire. On veut dire que ça va piquer les jambes. Effectivement, le premier jour, j'y étais pour vous faire découvrir les insides des championnats de France, mais le lendemain, je participais à la tricolore. C'est l'une des plus grandes cyclosportives de France, avec près de 400 participants et 133 km à parcourir. J'avais pour objectif de vous ramener un top 10, mais ce week-end m'a réservé plein de surprises, en commençant par mon premier repas. C'est bon, on a les pizzas, on a le Graal, on va pouvoir manger. Comme ça, on sera en forme pour vous faire des belles vidéos après. À la vôtre. Et on va vous filmer vraiment les insides de l'organisation d'un championnat de France afin de vous montrer un petit peu comment ça se passe, que ce soit pour les bénévoles qui sont là pour aider ou pour les coureurs afin de participer à la course. J'ai donc pu découvrir des lieux qu'on n'a pas l'habitude de voir et je suis super content de pouvoir vous partager ça. On est bien ici pour Adel Riveran. En fait, c'est vraiment, comme le nom l'indique, c'est un espace privilège. Donc en fait, là, je pense que c'est vraiment un endroit, comme vous pouvez voir, il y a des transats partout, où t'es bien, où il y a les parasols, t'es bien posé, t'es bien placé, il y a le départ, l'arrivée juste là. C'est vraiment un truc VIP un peu stylé quoi. C'est un peu cool d'être là quand même, on va pas se le cacher. On est actuellement dans le paddock, donc c'est l'endroit où tous les coureurs peuvent s'échauffer, surtout avant contre la montre. Vous savez à quel point c'est important. Donc ce qui est vraiment marrant, c'est qu'on a autant les petites équipes amateurs qui sont donc avec leur voiture de club, vraiment des toutes petites structures, et les grosses équipes pro qui seront là pour les coureurs élites tout à l'heure. Donc c'est marrant de voir de telles différences de taille pour la même course finalement. Donc c'est la joie des championnats de France pour le coup et les inégalités qu'il peut y avoir. Il y a l'équipe de Nantes, une équipe qui est pro depuis seulement 7 années, l'équipe de chez moi forcément, moi j'habite à Nantes. Donc il y a plein de gens que je connais dans cette équipe parce que c'est des gars qui couraient avec moi il y a encore quelques années. On est devant le camion de Audrey Cordon-Rago, juste derrière moi. Donc comme vous le savez, c'est l'ancienne championne de France, donc forcément c'est la star du jour, donc on va aller la voir. Le podium. Alors c'est le podium pour le contre-la-montre de tout à l'heure, mais c'est aussi le podium pour la tricolore de demain. Alors est-ce que je serai dessus? On va tout faire pour les amis. C'est l'espace où ils se font interviewer après la course. On est vraiment là, en inside, on peut pas être plus proche des coureurs. En tout cas, on reviendra tout à l'heure voir un peu les coureurs quand ils se feront interviewer. Il y a l'espace d'attente avant le départ du contre-la-montre. Donc les filles sont juste là à attendre que ce soit leur tour. Ensuite ici, ils se font contrôler leur vélo. Effectivement, il y a des réglementations très très strictes où les vélos doivent être taillés et respecter des règles. Donc l'idée là, c'est de vérifier que tous les vélos sont bien réglementaires et après, ils vont rejoindre doucement la rampe de lancement. On est au sas d'attente juste après les contrôles des vélos, donc c'est vraiment les dernières minutes avant leur départ. Alors autant vous dire que si vous regardez, il y a un peu de stress, donc on va les laisser tranquilles. C'était super impressionnant de voir toutes ces filles avant le départ ressentir la pression et les enjeux que ça représente. On va boire un coup. Hein. Bonjour. C'est pas beau les championnats de France? On est bien hein. Après j'ai croisé un gars de la FFC qui m'a demandé si j'avais déjà été sur le camion de la ligne d'arrivée. Non, mais avec plaisir. Oh là, ta porte X, donc c'est qui gère. C'est là où tu as les arbitres qui jugent la ligne avec tous les chronos, etc. Okay. Et c'est aussi eux qui gèrent l'affichage de l'arche. Okay. L'affichage digital. Là on peut aller sur toi. Là on est pas mal. Bah trop cool, merci. Voilà. On peut pas être plus en inside, on est au-dessus de la ligne d'arrivée les amis.
Voilà, rien d'autre à ajouter. Regardez. Après le contre-la-montre, bien sûr, bah, ils sont au bout de l'effort. Donc là, au sol. La meilleure qui arrive, Audrey Cordon-Garago. Et je crois qu'elle a gagné. Elle a gagné. Là, on est vraiment en inside, les amis. Directement après la course pour l'interview. Après la course WAM, on a pu continuer de se balader toujours plus en inside. On est dans l'espace presse, c'est-à-dire qu'ici, ils sont là pour travailler. La plupart doivent envoyer au fur et à mesure de la journée. Donc ici, il y a des chaises et des bureaux afin de pouvoir envoyer tout ce qu'ils font. On a soif ? Oh, ça fait du bien, les amis. D'habitude, j'adore manger, mais aujourd'hui, j'adore boire. On est à l'espace conférence. Il y a le podium féminin qui est juste derrière moi et ça fait plaisir de voir. Ensuite, c'était déjà l'heure de la course homme, commençant par les amateurs, puis les professionnels. Vous avez déjà suivi un coureur pendant les championnats de France ? Moi oui, et je vous montre ça maintenant. Là, on ne peut pas être plus en inside, je suis dans la voiture de Nantes pour suivre Maël Guégan, coureur de Saint-Brévin, donc mon club à la base. Maintenant, il est professionnel à Nantes, et là, on va partir le suivre, c'est juste trop cool. C'est parti pour Maël Guégan. Allez Maël, on soigne les trajectoires, on reste bien à la corde, on reste à la corde. Allez Maël. Allez Maël, c'est dans les faux plats qu'il faut forcer, hein. Tu as 8 secondes Maël, 8 secondes d'avance sur Jordan. C'est bien Maël, allez tu rejoins, allez rejoins Ryu, rejoins Ryu. Il y a un FDJ qui arrive derrière. Allez Maël, le FDJ est 50 mètres derrière toi. Allez, on pousse, on tire. Il manque 9 km de l'arrivée. Allez, il est pas loin là. Allez Maël, on met tout, c'est le dernier kilomètre. Allez, c'est l'arrivée. Allez, on sprint jusqu'à l'arrivée. Allez Maël. Allez Maël. Allez, allez. Allez, on met tout, hein. T'es pas loin là. Allez Maël. Maël finira 54e sur 93. Les autres sont vraiment dans un autre univers. Guichet donc pour Bruno Mirail. Maintenant, ça va être l'heure du podium. Les coureurs sont en train de se faire interviewer pour la télé. Ils vont aller ensuite au podium. Donc nous, on y va. Comme ça, on pourra vous filmer ça le plus proche possible. C'est comme avant les courses, il faut se placer sur la ligne si on veut avoir des bonnes images. Parce que là, les mecs, ils sont chauds. Audrey Cordon-Garago, championne de France, à nouveau pour la 6e fois. Le podium femme est passé, il reste le podium homme. Mais là, il pleut vraiment, averse, c'est terrible. Donc on est sous la flotte. Mais on va attendre le podium homme pour vous, les amis. Je suis timide. J'ose pas aller voir Rémi. Non, je suis timide. En même temps, c'est un peu la superstar du coin. J'y vais pas. Excuse-moi Rémi, on peut faire une photo rapide. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis bon courage pour dimanche. J'ai eu ma photo. La journée est terminée. On va aller se poser à l'hôtel parce que là, comme vous pouvez voir, il pleut encore. Donc autant vous dire que c'est pas agréable. Alors on va vite se mettre au chaud. On est rentré, on va pouvoir se poser et charger un peu toutes les caméras pour la course de demain. Et puis après on va aller manger parce que je vous avoue là ça creuse une journée comme ça. Bon maintenant les amis c'est récup, on met les jambes en l'air, on met les chaussettes de récup
Et puis, il n'y a plus qu'à espérer que j'ai récupéré de cette longue journée pour demain, parce que demain, la course est à 11h30. Bon, on est arrivé au restaurant, j'ai pris des œufs pour la récupération. Bon, par contre, ils n'avaient pas grand-chose pour les sportifs, du coup, c'est burger frites ce soir. Autant vous dire que c'est pas optimal pour la course. Bon, j'ai eu de la chance, j'ai pu négocier avec la serveuse pour avoir des pâtes, ça me servira demain. Bon, je suis enfin rentré, il est 23h, je vous avoue, je suis éclaté, je dormais debout sur la table. Maintenant, c'est l'heure d'aller se coucher. Bonne nuit. Allez, debout Quentin, t'as une course. Bon, cette course, elle est super importante pour moi. Déjà, ça fait super longtemps que j'ai pas participé à une cyclosportive. Il y a la vidéo qui met une certaine pression. J'avais donc à cœur de briller sur cette course. On va récupérer le dossard pour la tricolore. Alors, vous pouvez voir, ça change un peu d'habitude. C'est beaucoup plus gros, effectivement, contrairement à une course. Normalement, on est à peu près 100, 150. Là, on est 500 au départ, les amis. Donc, c'est marrant. On va aller voir comment ça se passe et récupérer le dossard. Ruel. Oh, ça fait partie des favoris, c'est dans les premiers dossards. C'est favori, favori. J'ai récupéré mon dossard. Dossard 58 aujourd'hui. Et puis, regardez, contrairement aux courses, du coup, on a plein de petits cadeaux. On a le t-shirt de finisher. Bon. Ils ont préchoté un peu le truc parce qu'on sait pas encore si on va finir, mais bon, on espère. Si vous saviez. Hop, et dedans, il y a plein de trucs. Il y a des serviettes, un bidon, des papiers et un tour du cou. Voilà, vous saurez. Bon, de retour dans la chambre, on va pouvoir préparer ce qu'il nous faut pour la course. Donc déjà, on va pouvoir se prendre plein de nourriture pour mettre dans les poches parce que 133 bornes, je vous avoue, ça fait longtemps que je ne les ai pas fait. On va bien se nourrir. Ensuite, on va mettre le dossard sur le maillot. Et ensuite, on va s'habiller. D'ailleurs, je vais mettre un nouveau cuissard Santini. Merci à Cycle de Loire, ils m'ont fourni encore tout ce qu'il me fallait pour rouler en Santini durant mes entraînements ou mes courses pour le cuissard par exemple, parce que le maillot, je vais rouler avec le maillot de mon club, afin que je sois bien équipé pour tout l'été. Donc encore merci à Cycle de Loire. Bon, c'est carré. Pas mal. Bon, avant le départ, on va quand même nettoyer un petit peu le vélo parce qu'il est vraiment cracra, toujours avec un passe pour le nettoyage. Et il y a du boulot. C'est bon, je suis prêt. Maintenant, il n'y a plus qu'à s'échauffer pour aller prendre le départ dans une heure environ. On a eu de la chance, on a pu négocier pour que mon cadreur puisse suivre dans la voiture arbitre, derrière l'échappée. Maintenant, il n'y a plus qu'à être dans l'échappée si je veux être filmé. Maintenant, on va aller sur la ligne parce qu'on est quand même 500 au départ, ce serait dommage de partir derrière. On a été un peu pistonné, ils nous ont mis première ligne pour la photo. Il y a 500 personnes qui vont partir derrière, ça c'est beau. Bon les amis, du coup dans le sas, il y a uniquement des personnes qui ont déjà fait des cyclos sportifs, qui ont déjà marqué des points en fait finalement, et il n'y a que les meilleurs. Sur le départ dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Bon, j'ai eu la chance, comme vous l'avez compris, de partir en première ligne, donc ça m'a évité d'avoir 500 coureurs devant moi, autant vous dire que ça limite déjà les risques de chute, parce que sur un départ de course avec autant de coureurs, forcément, on n'a pas envie de tomber. Là, vous pouvez voir que du coup, on partait pour un départ fictif. Pendant 2 km, des motos étaient donc devant nous, afin de nous sécuriser, mais aussi nous empêcher d'aller trop vite, pour qu'au bout de 2 km, ici, ils nous lâchent, et qu'enfin, la course puisse commencer. Fallait s'en douter, il y a toujours du monde pour attaquer, et là, j'ai un coureur qui attaque. Il se trouve que c'est l'abonné qui a gagné le concours sur Instagram, j'ai fait gagner un dossard et voilà, il a bien fait de venir. Donc là, il part à fond, forcément derrière, ça réagit. Il y avait un niveau juste énorme, il y avait énormément de coureurs, par exemple de Cholet ou de Sojasson, c'est des coureurs élites, des coureurs qui ne participent pas au championnat de France amateur le lendemain, mais qui du coup sont quand même très très forts, ou du moins beaucoup plus forts que moi. Du coup, c'était intéressant de courir à un tel niveau, d'ailleurs vous pouvez voir, ça bordurait sévère. Ça attaquait, mais j'étais toujours bien placé. Regardez, j'ai accompagné plus ou moins tous les coups qui étaient intéressants et dangereux. J'ai vraiment pris aucun risque sur ce début de course. L'objectif, c'est vraiment de prendre le premier groupe, le groupe de tête. Je savais que je serais potentiellement pas capable de gagner vis-à-vis d'un première catégorie, mais par contre, je savais que potentiellement, si je gardais les roues, j'arriverais à suivre dans le groupe de tête. Donc là, l'objectif, ça va être vraiment de rester placé, et vous pouvez le voir pour l'instant, dès que je recule un petit peu, je remonte tranquillement, me placer à l'avant, comme ici par exemple, où on s'approche dangereusement du premier point stratégique. Effectivement, il y avait une très très grosse côte au kilomètre 20. On me l'avait prévenu, j'avais vu sur le parcours, il y avait plus de 8% de pente, donc forcément, ça faisait peur. En tout cas, moi, ça me faisait peur et je savais très bien que ça allait commencer à se décider à cet endroit-là. Donc, il fallait vraiment que je sois placé dans les 20 premiers kilomètres. Et là, on arrive au pied de la descente qui était avant la côte. Une descente très, très sinueuse. Vous pouvez voir, il y avait plein de trous,
Donc c'était assez technique. Heureusement, moi je l'ai commencé dans les 20 premiers et vous allez voir qu'au fur et à mesure de cette descente, je vais la faire à la perfection et je vais doucement remonter et je vais arriver au petit de cette descente en deuxième position. Apparemment, il y a eu une grosse chute à cet endroit-là, donc bon rétablissement à tous ceux qui sont tombés. Moi en tout cas, du coup, j'ai eu la chance, c'est que j'étais en bas bien placé à ce moment-là de la descente, donc j'ai même pas vu qu'il y avait une chute. Et là, on arrive donc sur ce petit pont au pied du mur fatidique. Et je suis en troisième position, je ne pouvais pas être mieux placé. Il faut savoir que sur les deux coureurs devant moi, les deux sont dans le top 10. Et il y a même le vainqueur, le coureur de Sojasun. Je prends sa roue, je ne savais pas encore que c'est lui qui allait gagner. Mais là, je suis terriblement bien placé. Il monte le mur, vous pouvez le voir, à bloc. Alors lui, je ne sais pas s'il était à bloc. Moi, en tout cas, je me suis saigné pour m'accrocher. J'ai vraiment tout donné et heureusement, elle n'était pas trop longue. Regardez, là, il y a un petit replat. Et heureusement, par contre, le coureur de Sojasun, lui, il ne coupe pas son effort. Et là, on a un deuxième palier. Autant vous dire que là, je me suis vraiment mis à 200%. Je savais pertinemment qu'en fait, c'était maintenant que ça allait jouer et c'était maintenant qu'il fallait serrer les dents. Le groupe de tête allait se créer et une fois dans ce groupe de tête, c'était gagné. Donc là, j'ai vraiment tout donné et vous pouvez voir que je m'accroche très très fort. On revient sur quel coureur que c'était échappé tout à l'heure, mais rien de bien dangereux. En tout cas, là, je suis terriblement bien placé. Je fais une course à la perfection. Je n'ai fait aucun effort inutile. Et je suis super bien placé. Ici, on est en haut de ce que la côte durait au final 2 km. C'était plutôt un faux plat montant à la fin, mais ça durait 2 km. Ici, on est en haut. Ça se regarde un petit peu. Bon, quelques coureurs continuent d'attaquer. Et là, je vous avoue, je suis un peu juste. Je serre un petit peu. Et là, ça descend. Voilà, là, je perds quelques positions. Mais je savais qu'il restait des coureurs derrière moi pour me ramener. Donc, j'ai pas pris particulièrement de risques. Par contre, ça m'a permis de récupérer dans cette descente. Comme ça, là, je suis en meilleure forme, on va dire. Je reviens me placer à l'avant parce que, comme vous le savez, je ne prendrai pas de risque, je ne louperai pas cette échappée. Bon, là, du coup, j'ai un abonné qui a attaqué. Du coup, je prends sa roue. D'ailleurs, c'est l'abonné de tout à l'heure qui a gagné le dossard grâce au concours Instagram. Et quand il attaque, il me dit « Vas-y, Quentin, prends ma roue. » Je prends sa roue. Donc là, actuellement, je suis échappé. Hein. Le peloton est derrière. Je suis en échappée. C'est trop lourd. L'objectif, c'est de revenir sur les 2-3 coureurs qui sont devant. Et du coup, forcément, je serre un petit peu du moteur. J'étais pas capable de le suivre. Donc j'ai un autre gars qui revient sur moi. Je m'accroche dans sa roue. Et ensuite, enfin, on se refait reprendre par le peloton, malheureusement. Donc là, forcément, c'est très très dur pour moi. Je serre les dents. Je serre très très fort les dents parce que je suis un petit peu à bloc. Et vous pouvez voir d'ailleurs qu'il y a un petit coureur qui fait une cassure ici. Heureusement, j'ai encore les jambes pour bouger le trou et reprendre contact avec le groupe parce que maintenant là on n'est plus qu'une petite cinquantaine dans le peloton, même pas, on est vraiment plus très nombreux et là du coup je suis de mieux en mieux, je commence à récupérer, je vais replacer à l'avant et là les amis, j'ai trop le seum, j'ai trop le seum, j'ai envie de pleurer. La GoPro est morte, le support de compteur, le compteur a rien, et ma course est terminée. J'ai trop la haine. Putain, j'étais bien, hein. Moi je commençais à avoir un coup dans la gueule, je vous avoue. Mais enfin, attendez, il y a un peloton, je vais reprendre le peloton. On va prendre le peloton là. Allez, le peloton qui arrive. Je vais regarder pour rentrer plus vite parce que sinon je vais être en retard. Bon, vous l'avez peut-être pas compris, mais ce qui s'est passé en fait, c'est que mon support de compteur et de GoPro s'est fendu en deux alors qu'il est en métal. Et du coup, ma GoPro s'est littéralement éclatée par terre et partie dans un fossé. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis plus de 10 minutes à la retrouver. Je pouvais pas la laisser, j'allais pas laisser 500 euros dans le fossé, donc forcément j'ai dû m'arrêter alors que j'étais bien placé dans le groupe de tête, pile au moment fatidique. Je suis juste dégoûté, mais malheureusement, c'est comme ça. Maintenant, je vous laisse avec des images en inside de la course. Ah.
Bon, je vous invite à liker la vidéo si ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Que pensez-vous de ce format? Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.